Hey, hey, hey! Et salut, tout le monde, et bienvenue pour un nouvel épisode des Enfants Parfaits! Ah! Mon Dieu, trop de choses, trop d'informations. Tu vas faire une sieste. Et toi aussi. Pourquoi? Pourquoi? Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pourquoi? Vous avez votre putain de lampe! Vous me cassez les pieds, vous devez pas avoir de monstre! Voilà, c'est tout. Là, vous gâchez le moment de plaisir de Monsieur John, de papa. Oh, qui essaie déjà de faire un bébé avec Lilith Vatore. Puisque des vampires, nous n'avons pas comme enfants. Il y en a un qui pleure dans son sommeil. C'est flippant. John, qu'est-ce que tu fais ? Ah, mettre à jour son statut social. Hé, hey, ça y est les gars, je viens de baiser ma vampire, c'est trop cool. L'énergie de Lilith est en train de tomber. Ok, bah tu veux pouvoir dormir mon gars. Parce que là, on va laisser repartir ta dulcinée. On va éteindre là-bas. Et on va pouvoir enfin se reposer et partir sur une nouvelle journée des enfants parfaits. Alors... À part les petites là qui avaient vu un monstre, que vous pouvez vous recoucher maintenant, les filles, s'il vous plaît. Où en étions-nous? 4h du matin, dimanche. Oh bah ça va, il y a le temps. Il y a gravement le temps. Ah, c'est Nicolas maintenant qui se réveille. Nicolas! Et pas de Marjolaine. Nicolas, tu vas aller prendre une douche. Et voyons voir... Ah bon, ça va, on est remonté un peu, hein. On est remonté un peu. Il faut qu'on remonte l'empathie. Alors, kit médecin, bah tu vas jouer au kit médecin, écoute. Tu vas jouer au docteur, ça va te remonter tout ça. Louise, elle est debout aussi. Louise, elle a faim. Comment elle se débrouille? Ouh là là, le contrôle des émotions, ça va pas. Contrôle des émotions, je ne sais déjà plus. Ah, détendre les radios et les instruments, courir pour se vider l'esprit. Ouais, mais les enfants, ils peuvent pas courir pour se vider l'esprit. Regardez les étoiles, avoir un comportement dégoûtant. Se déguiser, rêvasser. Tu peux regarder les étoiles. Voilà, je sais pas ce que ça va faire, mais du moins, ça va t'occuper un petit peu. Le reste de la maisonnée dort profondément encore, en même temps 5h30 du matin dimanche. Ah, voilà Aurélie. Aurélie, elle est plutôt dans le vert. Niveau contrôle des émotions, on est bien aussi. Tu as faim. Mais tu vas prendre une douche. Je préfère que tu prennes une douche. Et c'était quoi, contrôle des émotions? C'est ça. J'ai beaucoup de mal. Bah ouais, mais c'est toujours la même chose. Contrôle des émotions. Je vois la poupée. Allez. Je sais pas, je vais voir. En attendant que papa se lève et que fasse à manger, on va... Oh bah c'est pas possible, ils se réveillent tous en hurlant ces gosses. Tu vas pas manger mon grand. Tu vas jouer au docteur, toi je sais pas ce qu'il te faut. Non ça va, ils sont plutôt un peu, plutôt pas mal hein, mes gosses là. Ouh Charlotte ça va pas. Charlotte ça va pas et on est toujours dans le contrôle des émotions. Oh, pour se détendre avec les radios. Non mais ouais non mais c'est chiant quoi. Regardez les nuages avec Louise. Ouais, allez. Ça va te calmer peut-être un peu. Je sais pas ce que ça va leur faire, mais ça lui fera pas de mal. Mais regardez les nuages avec Louise. Oh, mais t'es chiante, Charlotte. Va regarder les nuages alors, toute seule, si tu veux pas regarder avec ta sœur. Mais qu'est-ce que tu me casses les pieds? Viens ici. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh là là. Tu sais pas sortir de la maison? Oh là là. Ah, mais meuf! Oh là là. Oh là là. C'est laquelle? C'est Louise. Louise! Tu vas ranger ça tout de suite! Saleté! Ah, c'est chiant ce truc de peinture, mais c'est hallucinant. Ouais, elle est partie. Oh là là. Pff, contrôle des émotions. Pff.
Voilà, entraîne-toi à chanter. Nicolas. Non, Nicolas, tu vas aller aux toilettes. Ah là là, moi je vous dis, c'est compliqué, les gosses. Hein. Il y en a trop là. Et puis, contrôle des émotions, c'est trop flou. Enfin, je comprends pas. Élodie. Comment elle chante? Avec sa voix alien. Oh là là, tu fais peur, meuf. Nicolas, je t'ai dit que tu vas. Nicolas, tu vas mettre la table de fête bleue. Allez. Il va quand même sortir son putain de bol, hein. M'agace. Cécile passe par une phase, elle a tendance à être méchante, a envie d'être plus agréable que les autres. Oh là là. Cécile. Qu'est-ce que tu vas me faire comme plan? Non, 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 non. Cécile, est hors de question. Tu vas aller aux toilettes. Mais papa, réveille-toi, parce que c'est pas possible. Oh là là, ton papa est dans tous ses états. Oh là 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 là. Bon, et moi je les contrôle plus là, c'est pas possible. Hein. Je peux pas. Ah, elle arrête de chanter! Ah, my god, tu me casses les oreilles! Tais-toi! Oh. Oh my god, ça fait tellement du bien quand elle se tait. Elle veut faire quoi, Cécile? Le bon temps, période de temps bien agréable. Ouais, ils vont tous bouffer là, parce que franchement, papa, il est toujours pas d'attaque. Il pue et tout, donc le temps que je le remette bien comme il faut, ça va être compliqué. Tiens, tiens, notre voisin bizarre veut revenir à la maison. Ben viens, mon grand, viens. Et je suis en train de me dire, j'ai tous mes gosses qui sont là. 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais oui! Ils sont tous là, les gosses! Oh my god! Tu peux aller te laver, te doucher et manger. Oh, il est vénère. Il n'est pas content, il a entendu dire que on avait fait crac-crac avec notre vampire Lilith. Tous les gosses, ils sont là. Je les ai fait un peu discuter entre eux. Des trucs sympathiques, raconter voilà, une histoire drôle, tout ça. Enfin, pour que ils disent des choses sympas, en fait. Taquiner de manière délicieuse. Parler de l'école. Complimenter, voilà, c'est ce genre de truc qu'il faut faire. Complimenter, tout ça. Illuminer la journée. Enfin, je crois, hein, parce que franchement, je suis pas sûre. Complimenter. Oh là, c'est tendrement, voilà. On y est bien. Pauvre John! Voilà, il est tranquille dans la baignoire. Hein. Pourquoi tu prends cette baignoire-là alors que t'as ta propre salle de bain? Tu te compliques un peu la vie, mon petit, hein? Oh oui. Mais bon. Il a passé du bon temps la veille. On va pas lui en vouloir plus que ça. Oh là là, Louise est entrée dans une phase nourriture pour phase difficile pour la nourriture. Aïe aïe aïe, c'est crise d'ado avant l'âge ici, hein. Attention, hein. Ça rigole plus. Mais viens dire des trucs sympas à tes frères et sœurs. Raconter une histoire inventée. Ah voilà, les manières qui montent et tout. Non, non, c'est. Moi je trouve que c'est bien illuminer la journée. Parler de l'école. On va prendre Philippe, il va aussi parler. Alors j'avoue que franchement, je fais avec tout et le monde et n'importe quoi. Taquine au propos du visage. Faire une influence culturelle. Ouais, mais ils discutent tous ensemble, c'est chou quoi. Voilà, il y a les manières qui rentrent et tout. Enfin, qui rentrent, qui montent. Complimenter sincèrement. Illuminer la journée. Il fait quoi, John? Oh là là, il me fait des trucs. Comment s'est passée la journée? Voilà. C'est la discussion. Bon, John, tu peux manger? T'es pas interdit. Akira. Non, je veux pas aller au marché aux puces avec vous. Ouf. Allez, papa.
Au milieu de tout ça, marmaille. Alors, on va faire un tour d'horizon encore des... Oh, contrôle des émotions, Louise, ça va pas. Alors, c'est ça, faut qu'elle joue avec émotion. Ensuite, bah toi, tu vas aller pisser. Dans ton caractère, t'es plutôt bien. Tu vas me débarrasser ça. Et tu remettras la table sophistiquée triangle. Toi, le contrôle des émotions, c'est pas encore ça. Tu vas plutôt très bien. Tu vas jouer avec émotion à ta chouette. Charlotte. Charlotte, tu vas aller aux toilettes. Tu es vraiment pas bien au contrôle des émotions. Je crois que c'est toujours la chouette, en fait. J'avais oublié qu'il y avait ce truc. Ah, mais tu l'as pas, toi? T'as pas de chouette? Ouais, j'en ai pas pris une pour chacune. Si, il y en a deux ici. Tiens, hop. Tu vas pouvoir jouer avec émotion. Hop. Après, Aurélie. Aurélie aussi, elle va aller aux toilettes. Punaise, ils vont tous... Oh non, puis en plus, il y a un truc qui est pété. Oh, j'en peux plus. Ils vont se rentrer dedans, ils vont se voir les uns les autres en train de faire pipi. Ça va créer des dramas. Donc, Aurélie. Voilà. Au niveau éducation... Ouh, tu as des bonnes manières, ma petite. Contrôle des émotions, résolution de conflits. C'est un pardon, d'accord. D'accord, bon, on va te faire apprendre pardon. Nicolas, il est bien, il est bien. L'empathie, tu vas jouer au docteur un petit peu. Vas-y. Cécile, elle, la résolution de conflit est pas bien non plus. Pardon. Bon, t'as faim, donc tu vas manger. Papa, il faut que tu apprennes. Mais qu'est-ce que tu fais? Hein? Je sais plus, c'est à Aurélie, hein, je crois. Bah non, on va apprendre à Cécile, alors. Pff, oh non, c'est pas vrai. Allez. Éducation. Discipline sévère. Hurler dessus pour avoir mis le bazar. Voilà. Oh, pas, hein, cette histoire. Obligé à... obligé à faire pipi. Arranger le bazar. Ah, il est sévère, papa, hein. Ah ouais. Allez, tu ranges ça, meuf. Tu te dépêches. Y'a elle aussi maintenant! Mais c'est pas vrai! Ouais, éducation, discipline de commandant, sévère, hurler parmi le bazar. Allez hop! Louise! Oh, mais c'est quoi ces gosses ça? Tu vas, l'éducation, obligé à. Plus de choix, obligé à ranger le bazar. Allez papa, on est à fond avec toi, éducation, apprendre à dire pardon. Allez hop! Ah ben, c'est Philippe qui fait le... Non, Paul. Ouais, c'est Paul qui a nettoyé. Oh là là. Ah, Paul, il est malade. Paul, comment il va? Lui, il est bien. Contrôle des émotions, c'est pas jugé. Tu vas jouer avec ta chouette. Allez, ouf. En plus, devant la porte, t'as raison. Il se cogne, en plus, il va coincer les autres. Nicolas, il est morose. Nicolas, il a faim. Nicolas, il va aller manger. Nicolas, il est plutôt pas mal. Et on va le faire jouer au docteur, ici. Voilà. Alors, Cécile, la résolution de conflit remonte? Ah oui, complètement, oui. Non, résolution de conflit. Parce que je voyais contre les émotions. Mais non, non, ça monte, c'est pas mal. On est bien, on est bien. À la fin. Bah papa, tu vas aussi faire à manger, quoi. Oh là là, lui, il est pas bien. Tu sais quoi, Paul? Il est où, son lit, à lui? Va dormir un peu. T'es fatigué, tout ça, t'es pas bien. Plus t'es comment? Réussite, découverte du jeu. Oui, bah, pour 24 heures, ça fait largement plus de ça que je joue. Mais bon, hein, on dira rien. Et même maintenant, c'est le frigo qui est pété. Oh.
Par contre, Paul, il fait le ménage. Donc, c'est un super petit mec. Je vais voir ça. Au niveau manière, contrôle des émotions, c'est pas GG, mais il est très bien ce garçon. Je le valide quand même. Au niveau manière, tu vas jouer avec ça, tiens. Ce contrôle des émotions, faut que ça remonte. Et pendant que papa, il fait son petit réseau social. Avoir 355 abonnés. Il faut faire de temps en temps. Je viens de nettoyer les toilettes. Il a besoin de plus d'abonnés. Ah ouais? Je me souviens plus. Non, non, non. On est au top là. On va avoir une putain de promotion au prochain jour de travail. Et ça, c'est cool. Moi, je vous le dis. Et boum. Dans la tête, Nicolas. Nicolas, il est triste parce que la poupée du kit de docteur était malade, donc il a été pleurer dans son lit. Franchement, mon pauvre petit, ta vie est très compliquée, très difficile, très douloureuse. Je compatis, hein. Voilà. Tu contrôles tes émotions. En fait, c'est pas obligé de jouer avec la chouette, il peut jouer avec n'importe quel jouet. Ouais, ben Louise, elle va s'y mettre parce que... Là, c'est pas GG, hein. Jouer avec émotion et jouer avec émotion. Voilà. Chacune va jouer avec ses émotions et sa chouette. Cela, contrôle des émotions, c'est quand même ce qui est, je trouve, plus compliqué avec la résolution de conflits. Mais bon, là, on est presque tous. Ouais. Elle y travaille. Presque tous dans le vert. On monte tout doucement, on monte tout doucement. Charlotte, elle doit s'y mettre aussi, là. Elle veut pas jouer, hein. Tu joues avec émotion, s'il te plaît. Voilà, tu joues avec émotion. Toi, t'es dans le vert aussi. Non, non, franchement, on remonte bien les traits et je suis contente. C'est assez positif. Papa, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas servir le dîner des gnocchis à la courge. Nicolas, il est parti geeker. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Discuter avec elle, tiens. Après, voilà, j'ai peur que. Discuter dans la salle de chat pour enfants. Ouais. Peut-être pas avec elle, mais plutôt sur la truc de chat pour enfants. Je veille à ce qu'aucun des gamins fasse de conneries. Parce que c'est vite fait, hein. Philippe. Contrôle des émotions, c'est pas GG, tu peux jouer s'il te plaît avec émotion. Voilà, ils vont tous jouer avec émotion, ça va être fabuleux. Il y a Cécile qui s'excite toute seule. Ah, résolution de conflit. Ah, mais elle fait quoi? Merde, j'ai raté. L'empathie remonte. Non, c'est bien, voilà, c'est un dimanche en famille où les gamins remontent tous leurs besoins comme il faut. Enfin, leurs besoins, leurs compétences, leur niveau de véritude. Et ils grandissent dans 7 jours. Ah ouais, ça va être long quand même encore. Ça va être quand même long, hein, tout ça. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Ah non! Papa! Oh putain. Oh non. Alors, tu vas pas être sévère, tu vas mettre au coin. Allez, vas-y, on va tester. Vas-y, John. John, on s'en fout de la musique. Viens râler sur ta fille. Tu n'as pas à répondre, mademoiselle. Tu vas au coin, point. Non mais oh. Ah c'est génial. Il y a la petite pendule et tout. C'est canon. Tu vas manger, John, après. Tu as... Ouais, t'as pas hyper faim, mais... Moi, ce sera fait. Ah, c'est trop bien, quoi. Mais elle reste combien de temps, du coup, au coin? Elle reste pas très très longtemps, hein. Alors que la punition de faire... comment dire? Faire la punition, quoi. La vraie punition, ça dure que 24 heures, donc... Voilà. On est bien. On punit les gosses. John, il va manger ses gnocchis à la courge avec tout le monde. Je fais un rapide petit check.
Pour voir si tout le monde est dans le vert. Louise, contrôle des émotions. Qu'est-ce qu'elle va faire? Discuter avec Charlotte. Non mais tu peux jouer, hein, cocotte. Tu joues avec émotion et tu joues avec émotion. Après, tu iras aux toilettes et te doucher. Voilà. Philippe, lui, il est bien dans le vert. Cool, tu vas aller te doucher tout de suite. Paul, il est pas mal. Paul, il est pas mal. Il faudra peut-être améliorer son... Je sais plus déjà. Charlotte, contrôle des émotions, ça va pas du tout. C'est hallucinant. Elle y arrive pas. Elle y arrive pas. Ça remonte pas. Aurélie, qu'est-ce qu'il y a? Burke, c'est dégoûtant. Mais on t'a rien demandé, cocotte! Elle mange, du coup. Et puis tu pourras rejouer avec ta chouette. Hop. Nicolas. Nicolas et Marjolaine. Je la fais à chaque fois, celle-là. Pipi? Et est-ce que tu es plutôt pas mal? Ouais, tu es plutôt pas mal. Si tu veux jouer, s'il te plaît, un peu au docteur. Et Cécile, on a fait le tour déjà. Elle est bien remontée. Et puis tu iras prendre une douche aussi. Mais Charlotte, je t'avais demandé de jouer, quoi. Mais la meuf, elle s'en fout, hein. Elle écoute pas ce que je lui dis, ce que je lui demande. Par contre, est-ce qu'ils ont fait tous leurs devoirs? Tu vas faire tes devoirs. Tu vas faire tes devoirs. Tu vas faire tes devoirs. Charlotte, tu les as fait. Non, 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 c'est bon. Philippe aussi. Louise. Faire du travail supplémentaire, bah oui, Louise. Allons-y, allons-y, comme on dit. Puis t'iras aux toilettes également après. Je crois qu'elle s'est fait envahir l'intimité. C'était à prévoir. Il est formidable, ce papa. De lui-même, il va aider son fils à faire ses devoirs. C'est sympa, hein. Je trouve ça très, très gentil. Puis avant que tout le monde aille au lit, faudrait que tu mettes à jour encore ton réseau social. Voilà, puis tu vas y aller tout de suite. Ah, et puis tu iras essuyer parce que c'est sale. Il y a de la bouffe par terre. Allons-y, allons-y, tu vas ranger. Non, tu vas pas jeter. Oh my god, tu vas pas jeter. Tu vas ranger. Compétence 4 en charisme. Très bien. Tu vas ranger aussi. Qu'est-ce qu'elle fait, elle, là-bas? Elle est folle ou quoi? Elle joue avec son truc, mais son truc, elle est là. Régler la couleur et l'intensité. Ah ouais. Jouer avec émotion. Oh, il y a un petit bug. Elle remonte pas. Ah. Boum, dans la tronche. C'est un petit bugué, mais ça remonte tout doucement dans le vert. Pour l'instant, on est encore dans le rouge. Et puis, il faudra qu'elle bosse son empathie aussi. Beaucoup de travail avec ses enfants, beaucoup de travail. Bon. Les petits commencent à aller se coucher un à un. Papa, tu vas pouvoir aller te faire un petit pipi tranquille des familles. Avant de pouvoir récupérer de ta journée. J'espère. Tiens, il y a le truc de Charlotte qui est encore par terre. Là. Elle est partie se coucher. Bah ouais, mais je comprends pas. Bon. Mais pourquoi d'ailleurs elle est en train de dormir en faisant une sieste au lieu de dormir pour de bon? Ça me... Hein. Moi, je comprendrai jamais. Mais qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle se réveille? Pourquoi tu veux pas dormir? Ah mais elle est buggée! Elle est buggée, au secours! Ah, il faut que je refasse... faut que je la débugue. Voilà, elle est débuggée. Et du coup, je lui ai demandé d'aller chercher sa lampe. C'est pour ça que je pouvais rien en faire. C'est parce qu'elle était buggée. Et Philippe, bah tu vas très bien, Philippe. En plus, c'est vrai que tu t'étais...
Tu t'étais endormi pour te guérir un peu là? Hop. Est-ce qu'on peut pas travailler un peu avec toi? Alors, résolution de conflit et empathie aussi, ça c'est un peu pardon, un peu pourri. Et toi, t'es le seul qui a pas de. Tu vas jouer au docteur et après tu vas aller te coucher. Fait un peu flipper ce poupon quand même, hein? Vous avez pas vu la taille des yeux? Urk. Urk. Voilà, Philippouille qui joue au docteur. Comme quoi, hein? Jouer au docteur n'est pas réservé qu'aux filles. Et non. Puis dès qu'il a fini, il pourra aller se coucher tranquillement. Vous voyez, son empathie remonte. Petit tour d'horizon. Ah, Louise, le contrôle des émotions encore baissé. Ah, ça me tue, hein. Paul, il a énormément d'empathie, de responsabilité. Charlotte, contrôle des émotions, on est presque dans le vert. Aurélie, on est pas mal. Oh là, je vais mettre Nicolas, on n'est pas plus mal non plus. Ouf, Cécile, résolution des conflits et contrôle des émotions, hyper top, alors qu'elle était hyper pas bien. Ok, et ben moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode. Je vous donne rendez-vous pour le prochain, pour toujours les enfants parfaits. N'hésitez pas, hein, si vous avez des astuces, tout ça, pour régler quelques petites choses. Effectivement, il y a des choses que j'ai du mal à comprendre pour la résolution de conflits. Le contrôle des émotions. Donc, je suis avide de vos conseils. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!